J'ai discuté à plusieurs reprises. Fais ce que je te dis. Je n'aime pas qu'on discute mes ordres. Et puis donne-moi ce fusil. C'est ma vie et j'entends la mener comme bon me semble. Va-t'en, je ne veux plus te voir. La pêche est bonne? Hélas, non. Holmes, que diable faites-vous ici? Je vous cherche, Watson. Mais continuez, que cela ne vous dérange pas. Alors, quel beau vent vous amène? Un vent qui m'a mis sur une affaire. Et quelle affaire? Une affaire que les journaux appellent le mystère de la vallée de Boscombe. Je pense que vous avez dû lire les articles. Non, je n'ai pas ouvert un journal depuis des lustres. Un fermier du nom de McCarthy, un Australien d'origine britannique, est mort d'une manière brutale à proximité de sa ferme. Et il semble que les accusations se tournent vers le fils de la victime. Oh, j'aperçois une très jolie truite. Et donc, ce serait un... un meurtre? C'est ce qu'en a conclu la police. Je ne tiendrai compte de son avis que lorsque j'aurai mené une enquête personnelle. C'est évident, Holmes. Je ne voudrais pas gâcher vos vacances, mais puis-je vous demander de vous joindre à moi pour mener cette enquête? Évidemment. En êtes-vous sûr? Vous m'envoyez enchanté. Et puis-je vous demander de faire vite? Nous avons un train à prendre dans une vingtaine de minutes. Oh, quoi? Watson, cet air frais est irrespirable. Les journaux ne semblent pas s'intéresser beaucoup à notre affaire. Ils n'y font aucune allusion. Mais inutile. Qu'importe ce que dit la presse. Tout ça semble pourtant simple. Qu'est-ce qui vous a persuadé d'y attacher de l'intérêt? Ceci. Le mystère de la vallée de Boscombe, il s'est produit une grave erreur judiciaire. L'affaire est urgente, nous avons grand besoin de vous. Venez si vous pouvez signer. Alice Turner, Seigneur Jésus. Qui est Alice Turner? C'est la fille de M. Turner, également australien, et qui possède toute la région. Ah, donc c'est un mystère et non un meurtre pour Miss Turner. Notez-le nous, Watson. Nous avons besoin de vous. Si jamais c'est, comme je le crois, un appel au secours, cela transpire de ce bout de papier. L'avez-vous rencontré? Pas encore. Vous souvenez-vous du sergent Somerby? Somerby? Ah oui, c'était à l'occasion de l'affaire des faux billets espagnols. Mexicains. Un homme fort sympathique, en admiration devant vos méthodes. Probablement la raison de sa promotion au grade d'inspecteur. Il est chargé de cette affaire, c'est lui qui a préparé notre venue. Notre? Vous présumiez que j'allais vous accompagner? Je n'ai présumé de rien, très cher ami, je n'ai fait qu'espérer votre venue. Ah. Bonjour, Monsieur Holmes, Dr. Watson,
C'est un plaisir de vous revoir. Félicitations pour votre promotion, inspecteur. Merci, docteur. Oh, c'est un district assez tranquille parce que aujourd'hui, sous mes ordres. Une voiture vous attend. Merci. Ah. McCarthy, la victime, louait une ferme, propriété de M. John Turner, qui est l'un des plus gros propriétaires de cette partie du comté. Il a fait fortune en Australie. Ah. Je suppose qu'étant tous deux d'anciens coloniaux, ils avaient beaucoup en commun. Une vieille amitié, je pense. M. Turner n'est plus en excellente santé depuis quelque temps. Il a une fille, Alice, je crois. Seule et unique héritière. Et des plus charmantes. Je pense que Miss Turner et le fils de McCarthy se connaissent. Depuis l'enfance. C'est Miss Turner qui m'a fait venir ici. Je sais, Monsieur Holmes, et pour être honnête avec vous, je suis surpris que vous soyez là. Cette affaire d'une clarté limpide, je l'avoue. Et plus nous avançons, plus elle se simplifie. J'ai donc averti Miss Turner que cette fois, même Sherlock Holmes serait incapable de faire des miracles. Et malgré tout, vous êtes là. La campagne est magnifique. Oh, oui, c'est très joli, la vallée de Boscombe. Et là-bas, au pied de cette colline, se situe l'étang de Boscombe, le lieu du crime. Un endroit bien tranquille pour une tragédie. Y a-t-il des témoins? Je m'attendais à cette question, M. Holmes. Ah. Le principal témoin est M. Crowder, un des gardes-chasse de M. Turner. Oh. C'était peu de temps après le déjeuner. Lundi dernier, nous étions le... Attendez, le lundi 3 juin. Ah oui, 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 c'est ça. Alors, je vais nourrir les jeunes faisans, là, les faisans d'eau, comme nous les appelons. Vous plantiez des laitues, avez-vous dit? Ah oui. Oui, oui, c'est juste. Je repiquais des plants de laitues. Tiens, ceux que vous voyez là-bas. Quand ma petite fille, Patience, est arrivée de là en courant. C'est pas la première fois. Eh bien là. T'en fais pas pour ça, Patience. Ce sont pas nos affaires, chérie. Rentre à la maison, hein. Ah, ce monsieur McCarthy. Il a un sacré mauvais caractère, ça, oui. Si jamais il s'apercevait que quelqu'un avait braconné sur ses terres, il se mettait dans une colère incroyable. Et son fils a le même caractère. Non, merci, pas de lait pour moi. Non, en tout cas, je ne l'ai jamais remarqué. Non, ça semblait être un gentil garçon. J'ai été très surpris qu'il ait fait ça. À mon avis, on a provoqué son geste. Merci. Ah, sans aucun doute. Ça, on peut le dire. Dites à ces messieurs ce qui s'est passé ensuite. Ouais. Vous n'avez pas oublié ce que vous avez dit lors de l'enquête. Ah, vous rigolez? Ça, je risque pas d'oublier cette journée aussi longtemps que je vivrai. Voilà, j'ai envoyé ma fille auprès de sa mère, et j'avais pas planté plus d'une dizaine de salades quand le jeune McCarthy est arrivé en courant, comme s'il avait vu un fantôme. Mon père vient d'avoir un accident, je vous en prie. J'ai besoin de votre aide, venez. Où est-il? Là-bas, près de l'étang. Je l'ai ramené ici, et puis j'ai envoyé ma femme chercher la police. Vous a-t-il dit quelque chose? Non. Non, il n'a pas dit un mot. Il est resté assis ici à geindre en pleurant, et je ne l'ai pas quitté des yeux jusqu'à l'arrivée de la police, ça je peux vous l'assurer. Avez-vous examiné le fusil, la crosse, par exemple? Oh, non. J'aurais peut-être dû. Il y avait un peu de boue dessus. Il l'a nettoyé.
Ben, je vois pas où est le mal. Je suis sûr que vous auriez fait comme moi. Il y avait M. McCarthy allongé, la tête complètement écrasée. Il s'est pas fait ça en écrasant une mouche. Mais vous pensez que c'est le fils qui a tué son père? Bien sûr que c'est lui. Ben, je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Ben, je peux vous dire une chose, monsieur. Je suis garde-chasse depuis 20 ans. Hein, d'accord? Eh ben, quand un homme a un fusil dans les mains, un tas de choses bizarres peuvent arriver. J'ai vu des hommes, des gens tranquilles, respectueux des lois, vous leur mettez un fusil entre les mains, ils se transforment en... Ah, merci, M. Crowder, excusez-nous d'avoir abusé de votre si précieux temps. Ah, mais je vous en prie, tout le plaisir a été pour moi. C'est pas la première fois que je peux aider la justice, la police ne peut être partout. L'année dernière, à la Pentecôte, vous en souvenez, inspecteur? Non, non, je dis des bêtises, c'était il y a deux ans... Excusez-nous, mais nous devons partir. Ah oui, moi je suis du côté de la loi et de l'ordre, l'inspecteur peut vous le dire. Sans aucun doute, Crowder. Merci. Merci, au plaisir. Ouais. Les gens de la campagne sont tous les mêmes. Dès qu'ils ont une audience, on ne peut plus les arrêter. Si vous le souhaitez, nous pouvons nous rendre sur les lieux du crime. Inutile pour le moment. Oh, c'est très juste. Vu les circonstances, ce n'est point nécessaire. C'est une triste affaire, mais très claire. Le soleil est haut. Les nuages sont absents. J'ai le temps d'aller voir James McCarthy. J'arrangerai cela si vous le souhaitez. Demain. Demain. Oh, il y a un petit détail que je voudrais vous préciser. Lorsque James a été accusé du meurtre de son père, il n'a pas eu l'air surpris du tout. En fait, il a dit que c'était encore moins que ce qu'il souhaitait. Ce sont ses propres termes. Une confession. On peut le croire. A-t-il protesté de son innocence? Oui, mais c'est ce qu'ils font tous, n'est-ce pas? Montez, il est temps que nous retournions à l'hôtel. Merci, mais je n'ai pas terminé ma journée. Alors, à demain. Boscombe Arms. Il a dit que c'était encore moins que ce qu'il souhaitait. Je trouve cette remarque suspicieuse, n'êtes-vous pas d'accord? Je ne pense pas que ce soit là des mots à dire devant un juge. Au contraire, c'est une éclaircie qui se produit au milieu de cet orage. Cette sorte de reproches et de remords qui transparaissent par cette remarque ne sont pour moi que les signes d'un esprit sain et équilibré. Beaucoup d'hommes ont été pendus avec des preuves beaucoup moins évidentes. Oui, et beaucoup d'hommes ont été pendus à tort aussi. Oh, regardez, un faisan. Oh! Le témoin, James McCarthy, a dit « J'ai eu une conversation avec mon père qui s'est envenimée et a failli fort mal se terminer. » Sa mauvaise humeur étant évidente, j'ai poursuivi mon chemin le laissant seul. Je n'avais pas parcouru plus d'une centaine de mètres que j'ai entendu un cri horrible qui m'a fait revenir sur mes pas. J'ai trouvé mon père... agonisant sur le sol, allongé face contre terre avec une plaie à la tête. Quand vous êtes arrivé près de votre père, avez-vous vu quelqu'un d'autre? Non, personne. Et je n'ai absolument aucune idée de ce qui a pu lui arriver. Il n'était pas très populaire, mais pour autant que je sache, il n'avait aucun ennemi. Je ne peux hélas rien vous dire de plus. Votre père vous a-t-il dit quelque chose avant de mourir? Il a murmuré quelques mots, mais j'ai cru comprendre qu'il faisait allusion au mot « hara ». Silence! Un peu de silence! Le mot « hara » signifie-t-il quelque chose pour vous? Je sais que c'est une race de perroquets. J'ai cru que mon père délirait. Si vous nous parliez du sujet sur lequel votre père et vous vous êtes querellés. Non, je préférerais ne pas répondre à cette question. J'ai peur que vous m'y soyez obligé. Il m'est réellement impossible de vous le dire. Mais je vous assure que ça n'a eu absolument aucune incidence sur la tragédie qui a suivi. Ça, c'est à la cour d'en décider. Inutile de vous préciser que votre refus risque de vous porter un préjudice considérable dans le cadre des procédures qui peuvent suivre. Vous pouvez vous asseoir. Messieurs les membres du jury, vous êtes là pour déterminer les causes du décès de M. William McCarthy et par la suite donner votre verdict. Vous avez entendu les faits relatifs à ce crime qui ont permis d'éclairer la situation. Le témoignage sur le décès de son père, de James McCarthy, me semble pour le moins singulier.
et son refus de nous détailler le contenu de leur dernière conversation ne peut jouer qu'en sa défaveur. Un verdict de meurtre avec préméditation me semble correspondre aux faits qui nous ont été exposés. J'espère m'être bien fait comprendre. Et il a été accusé de meurtre avec préméditation. Monstrueux. Je pense qu'il a eu ce qu'il désirait. Oh, mon cher Watson, ne voyez-vous pas que vous êtes passé comme le juge, du reste à côté du seul point qui plaide en faveur du jeune homme. Voyez-vous, vous l'avez tour à tour accusé d'un manque d'imagination et du contraire trop peu, puisqu'il n'a pas inventé la raison de la querelle qui aurait apporté la sympathie du jury. Et trop en développant une théorie tirée d'on ne sait où sur le délire d'un mourant parlant d'un haras. Certains juges de campagne ont tendance à jouer les dictateurs de pacotille. Ce qui est absolument scandaleux. Non, non, non. Je dois partir du principe que le jeune McCarthy a dit la vérité. Nous avons de la visite. Notre cliente vient d'arriver. Entrez. Je suis si contente que vous soyez là, monsieur Holmes. Je suis Alice Turner. Mon ami et collègue, le docteur Watson. Ah, docteur Watson, Turner. Bien sûr. C'est vous qui avez écrit les exploits de M. Holmes d'une façon aussi intéressante. Voyez-vous, je sais tout de vous, M. Holmes, et de vos magnifiques succès. Si vous saviez combien nous avions besoin de vous. Mais vous devez déjà savoir ce qui se passe ici. Mais je vous en prie, asseyez-vous, Miss Turner. En fait, l'inspecteur Somerby m'a vaguement mis au courant. Ah oui, l'inspecteur, c'est lui qui m'a donné votre adresse. C'est vraiment un homme très gentil. Mais il ne comprend rien. Sinon, il ne serait pas de la police. Monsieur Holmes, je sais que James n'a rien fait. Je le sais. Et je veux que vous vous en persuadiez, vous aussi. Je veux que vous n'ayez aucun doute sur ce point. Connaissez-vous James McCarthy depuis longtemps? Oh oui, toute ma vie. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Et je sais qu'il ne peut faire de mal à une mouche. Ces accusations sont absurdes pour tous ceux qui connaissent James. Nous ferons notre possible. Pour l'innocenter. Mais d'après ce que vous savez, doutez-vous de son innocence? Je crois son innocence probable. Mon ami n'est pas encore convaincu. Non, je trouve M. Holmes un peu trop rapide dans ses conclusions. Mais vous avez raison. Oh, je sais que vous avez raison. James n'a jamais fait ça. Cette querelle avec son père... dont il a refusé de parler au juge. Que savez-vous là-dessus? Je pense que c'est parce que j'étais concernée. Dans quel sens? Je crois qu'il n'est plus utile de cacher quoi que ce soit. James et son père n'étaient pas d'accord à propos de moi. Oh, Monsieur McCarthy était très désireux que James et moi, nous nous épousions. Avec James, nous nous sommes toujours aimés comme frères et sœurs. Depuis quelque temps, nous ne pouvions plus nous voir souvent. Je suis dans un pensionnat pour jeunes filles depuis plusieurs années. Et James est parti étudier à Liverpool. Il n'a que 21 ans et n'a encore rien vu de la vie. Enfin, je suppose qu'il ne voulait pas s'engager dans une union. Et s'ils se sont disputés, je suis sûre que c'est à cause de ça. Quel âge avez-vous, Miss Turner? 18 ans. Presque 19. Vous nous avez dit qu'il n'y avait plus rien à cacher. Êtes-vous amoureuse de James McCarthy? Je le suis, monsieur Holmes. Je l'aime à la folie. Il n'y a personne d'autre, il n'y aura jamais personne. Et même si... Ce sentiment est-il réciproque? Oh, je crois que oui. J'espère que oui. Mais comment puis-je en être sûre? Nous n'avons jamais parlé mariage.
Votre père était-il d'accord pour cette union? Non, il y était opposé. Il n'y avait que M. McCarthy à y être favorable. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre franchise. Me serait-il possible de le voir si je rends visite à monsieur votre père? J'ai peur que non. Les docteurs ont proscrit toute visite. Je suis désolé, nous ignorions qu'il était à ce point souffrant. Mon père n'a jamais eu une bonne santé, mais cette affaire l'a complètement anéanti. Il est alité depuis et le docteur dit qu'il a de graves troubles du système nerveux. Oh, je ne le quitte que très rarement, sinon je vous aurais accueilli moi-même à votre arrivée. Non. Voyez-vous, monsieur McCarthy était le seul homme à avoir connu mon père dans le temps en Australie. En Australie? À Victoria, dans les mines. Oui, les mines d'or. C'est de là que vient la fortune de mon père. Vous m'avez été d'un très grand secours, Miss Turner. Aurez-vous la possibilité de voir James? Demain. Dites-lui que je n'ai jamais douté de son innocence. Je vous le promets. Pouvez-vous lui remettre ceci? Naturellement. Et si vous avez du nouveau, vous viendrez me le dire? On m'attend à la maison. J'ai laissé mon père seul. Si jamais il se réveille avant mon retour, il pourrait s'inquiéter. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et que Dieu vous aide dans vos recherches. Bonjour, messieurs. Inspecteur, pourrais-je le voir seul? Comme vous voudrez, monsieur Holmes. N'oubliez pas qu'il est sous le coup d'une accusation de meurtre. Dans des circonstances pareilles, sachez qu'un homme ne vous dit que rarement la vérité. Merci de me prévenir, inspecteur. James McCarthy, je m'appelle Sherlock Holmes. Je suis là pour vous aider. Comment en être sûr? J'ai vu l'inspecteur de police qui vous attend dehors. Un instant, je suis ici à la demande de Miss Turner. Excusez-moi, monsieur Holmes. J'ai appris à ne faire confiance à personne. J'ai peur que vous ne soyez arrivé trop tard. Ils sont tous bien d'accord sur ma culpabilité. Mais je ne suis pas d'accord. Le coroner et le jury... Le coroner et les jurés ne sont là que pour établir les faits, non, pour rendre un jugement. En quoi puis-je vous aider? En me disant ce qui s'est exactement passé. Asseyons-nous dans ce coin que personne ne puisse vous entendre. Par quoi je commence? À vous de choisir. Je poursuis mes études à Riverpool depuis plus de 3 ans. Mon père tenait à ce que j'acquière le maximum de connaissances. Et puis ce jour-là, le 3 juin, je suis rentré chez nous. Votre père s'attendait à votre venue? Non, pas exactement. Il savait que je devais avoir quelques jours de vacances, mais il ne savait pas quand au juste. Le transporteur local m'a amené du village jusqu'à la ferme. Ah, content de vous revoir, maître James. Oh, certainement pas autant que moi, George. Tout doux, tout doux. Et mon père est à la maison? Non, il est parti il y a à peine 5 minutes. Il avait l'air assez préoccupé du reste. Ah, merci, George. Vous voulez que je vous selle votre cheval? Non, je monterai demain. Je vais aller faire une petite balade avec mon fusil. Vous allez vous régaler. Les prés sont envahis de lapins. Allez, avance. Bonjour, père. James.
Qu'est-ce que tu fais ici? Nous avons quelques jours de congé. Je ne veux pas que tu restes ici. Alors va-t'en et ne t'approche pas de l'étang, tu as compris? Oui. Pourquoi? Ça ne te regarde pas. Fais ce que je te dis, un point, c'est tout. James. Écoute. Maintenant que tu es là, va donc voir Alice, mon grand, et dis-lui que tu vas l'épouser. C'est hors de question. Écoutez, père, nous avons déjà discuté à plusieurs reprises. Je n'aime pas que l'on discute mes ordres. Donne-moi ça. Donne-moi ce fusil. C'est ma vie et j'entends la mener comme bon me semble. Entendu? Tu l'auras voulu. Tu n'es plus chez toi ici. Je te déshérite. Sois-en sûr. Allez, tu n'as plus rien à faire ici. Je devais être à une centaine de mètres quand j'ai entendu un cri. Un cri vraiment horrible. Je suis revenu en courant et j'ai vu mon père allongé sur le sol. Avez-vous vu quelqu'un d'autre? Non, personne. Aucun mouvement, nulle part? Non, mon attention était concentrée sur mon père. Il avait une terrible blessure à la tête. À l'audience, vous avez refusé de parler de la querelle avec votre père. C'était quelque chose de privé dont je ne voulais pas parler avec lui. N'était-ce pas plutôt parce que cela risquait de vous incriminer, James? Non. C'était parce que cela concernait Alice. Ça ne regardait pas le coroner, ni lui, ni personne d'autre. Je ne voulais pas que l'on prononce son nom devant tout le monde. Savez-vous que Alice est amoureuse de vous, James? Et qu'elle croit en votre innocence? Oui, je sais. L'idée qu'elle m'aime et sa foi en moi m'aident beaucoup à tenir le coup dans cette horrible prison. Et vous avez refusé de l'épouser comme le souhaitait votre père étrange? Est-ce parce que vous ne partagez pas cet amour? Certes, non. Je l'aime, monsieur Holmes. J'aime Alice Tanner. Je l'adore, je vénère l'empreinte de son pas sur le sol. Mais... Continuez. Je ne pouvais pas lui demander de m'épouser. Parce que j'étais déjà marié. Je crois qu'il serait bon que vous me parliez de cela. Lorsque j'ai commencé mes études à Liverpool, mon père m'a loué une pension très généreuse. Trop généreuse, je peux le reconnaître. J'ai commencé à sortir le soir et à fréquenter une faune fort peu fréquentable. Et un soir, sous l'empire de l'alcool, je me suis retrouvé dans le bureau d'un officier d'état civil en train de me marier à une femme plus âgée que moi. Une barmaid. On se voyait fort peu avec Alice en ce temps-là. Et je n'ai rien dit à mon père de peur qu'il me renvoie comme il m'en avait souvent menacé. Oui, je comprends très bien. Avez-vous une idée sur qui a tué votre père avec autant de brutalité? Je ne vois pas qui ça peut être. Vous savez, j'ai eu le temps de réfléchir à la question depuis que je suis enfermé dans cette prison. Mais j'en suis au même point que les autres, je ne vois pas la solution. Ah. Ne perdez pas espoir. Merci, monsieur Holmes. Alors, monsieur Holmes. Oui. Ça ne concerne pas directement notre affaire, mais je préfère vous le dire. Un point positif au milieu de cet enfer. J'ai reçu un message peu après mon arrivée ici de la part de la barmaid. Elle écrivait qu'elle avait appris mon arrestation par les journaux et mon inculpation pour meurtre. En ajoutant qu'elle était déjà mariée à un autre homme depuis quelques années. Dieu du ciel. Et donc, qu'entre nous, il n'y avait pas de lien légal. Si seulement j'avais su cela avant. Vous avez eu raison de me le dire. Le pauvre. Cela doit être dur de se voir reprocher par son père de ne pas faire quelque chose qu'il souhaitait plus que tout. Et s'il est innocent,
Qui a tué ? Excellente question. Je peux peut-être vous aider. Je n'ai pas été entièrement inactif durant votre absence. Et sur le rapport d'autopsie du médecin légiste, il est écrit « La partie gauche de l'os occipital de la victime et le tiers inférieur du pariétal ont été défoncés par un objet contondant. » Et il conclut que l'on a frappé par derrière. Mais il est prouvé qu'ils se querellaient. Face à face. Je dois reconnaître que j'admire votre talent, Watson. Merci beaucoup. Mais cela ne peut nous servir. McCarthy a très bien pu se retourner après le départ de la fillette. Toujours est-il que je suis heureux de constater que vous commencez à y penser aussi, James est innocent. Holmes, vous mettez des mots dans ma bouche que je n'ai pas dit. Ici, vous le dites, dans votre tête. Ces bottes sont celles que portait le maître à l'heure où il a été assassiné, monsieur. Depuis, j'ai enlevé la boue qu'il y avait dessus. Celles-ci, ce sont celles de Maître James. Il les a achetées le jour de la Saint-Michel. Merci, Georges. Maintenant, allons au bord de l'étang. C'est ici que ça s'est passé, monsieur Holmes. Vous pouvez voir qu'il reste des traces de sang. Je vous demanderai de vous éloigner, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. Vous avez laissé vos empreintes, inspecteur. En effet, j'ai remué la vase. Je pensais que je pouvais y trouver l'arme ou des indices. Ah, si seulement j'étais venu ici avant qu'ils ne massacrent tout, tel un troupeau de bisons. Ça doit être le garde-chasse et toute sa troupe. Ces empreintes doivent être celles de James. Et celle-ci... Oh, il est passé ici deux fois. Il s'est retourné. Il a couru une fois. La semelle a laissé une empreinte assez profonde alors que le talon est invisible. Cela confirme son histoire qu'il a couru en apercevant son père étendu là. Toujours aussi efficace. Le père a dû faire les 100 pas dans ce secteur-là. Qu'avons-nous ici ? La pointe d'une chaussure. Rien que la pointe. C'est une chaussure à bout carré, ce qui ne court pas les rues. D'où venait ce monsieur au bout carré? Il va finir par lever la patte et se mettre à l'arrêt. Ah! J'aime résoudre les énigmes intéressantes. Venez. Merci, Georges. Merci, monsieur. Puis-je vous confier une mission ? C'est entendu. J'y vais tout de suite. Et ceci peut vous intéresser, inspecteur. Le meurtre a été commis avec ça. Mais je ne vois aucune trace. Il n'y en a aucune. Comment le savez-vous, alors ? L'herbe était encore verte en dessous. Elle n'était pas là depuis longtemps et elle correspond aux blessures. Et le meurtrier ? C'est un homme assez imposant, gaucher, qui boite à droite. Il porte des chaussures de chasse à bout carré et à semelle fine. Il fume des cigares indiens en utilisant un fume-cigare. Et il a un petit couteau mal aiguisé dans sa poche. Ah, vous êtes vraiment imbattable, monsieur Holmes. J'admire votre esprit et votre théorie est excellente. Mais je ne suis pas convaincu. Ah. Non, pas cette fois. Rien ne vous empêche de manœuvrer les jurés. Vous avez eu votre chance, inspecteur. Je suis un homme pratique, monsieur Holmes. Croyez-vous que je vais parcourir tout le comté à la recherche d'un imposant gaucher boiteux ? Je vais devenir la risée des gens. C'est ce que nous verrons. Vous suivez votre méthode et moi la mienne.
Alors, si nous récapitulions, Watson, d'après l'examen du sol, j'en ai tiré des conclusions sur la personnalité de notre criminel. Mm-hmm. Comment ? Vous connaissez ma méthode, basée sur l'observation de détails insignifiants. Sa taille peut être appréciée par la longueur de ses pas, ses bottes par leurs empreintes, mais son handicap, je ne vois pas. Élémentaire, mon cher Watson, l'empreinte droite est plus distincte que la gauche. Pourquoi ? Parce qu'il boite. Vous dites qu'il est gaucher. Le coup a été porté par derrière, sur la partie gauche du crâne. Watson. Il ne pouvait pas être droitier, il ne peut être que gaucher. Il est resté caché derrière cet arbre durant l'altercation entre les deux hommes. Et il a fumé un cigare. Fumé ? Voilà des cendres de cigare. Oui, de cigares indiens. Vous vous souvenez de ma monographie ayant pour sujet les cendres de pipes, de cigarettes et de cigares? Une centaine de variétés différentes, si j'ai bonne mémoire. 140, je vous prie, Watson. Mm-hmm. Après avoir trouvé les cendres, j'ai découvert ce mégot que le meurtrier avait jeté à 2 mètres. Un cigare indien roulé à Rotterdam. Vous remarquerez que le bout n'a pas été touché par ses dents. Il utilise donc un fume-cigare. Ce même bout est coupé, non mordu. Mais l'entaille n'est pas nette, j'en déduis donc. Couteau mal aiguisé. Vous êtes vraiment le meilleur. Au milieu des mots murmurés par son père, le seul mot que James ait réussi ou ait cru comprendre est le mot « ara ». Plutôt étrange. Venez avec moi. Alors, que lisez-vous? Ara. Et là? Bal, ara. Bal, ara. C'est le mot qu'il a prononcé. L'Australie. Un homme à Ballara, et pourquoi Ballara est connu? Pour son or. Mr. Turner nous a dit que son père a connu McCarthy dans une mine d'or. Ceci nous dirige droit vers le meurtrier. Un Australien de Ballara, quelqu'un qui soit chez lui ici. Et à moins de commettre une erreur, il est là. Monsieur John Turner. Monsieur Holmes, docteur Watson, ma fille m'a appris que vous logiez ici. Vous avez lu mon message? Oui, oui. Vous vouliez me voir pour éviter un scandale. Ici, nous serions mieux. Le peuple parle beaucoup trop. Pourquoi voulez-vous me voir? Oui, monsieur. Je sais tout sur vous et McCarthy. Mon ami Watson va noter notre entretien. Je promets de ne m'en servir qu'en cas d'absolue nécessité. Asseyez-vous. Vous ne connaissiez pas McCarthy. C'était le diable réincarné. Que Dieu vous protège de rencontrer un homme tel que lui. Oui, il m'a mis le grappin dessus pendant des années, empoisonnant toute ma vie. Je ne commencez pas à vous dire comment je suis tombé en son pouvoir. C'était dans les années 60 en Australie. J'étais jeune et impétueux. Sans peur et sans scrupule, je cherchais de l'or. Je suis tombé sur un mauvais filon. J'ai tout abandonné, je suis devenu un voleur de grand chemin. Un gang s'était formé, et nous vivions sans aucune contrainte. Attaquant une gare de temps en temps, ou arrêtant un chariot sur la route des mines. On me surnommait Black Jack de Ballara. Je présume qu'ils se souviennent encore de nous, dans la colonie. Je
conducteur du chariot était McCarthy. Je l'ai épargné. Allez, lève-toi. Je ne te revois plus. Va-t'en dans tes boutons. Allez! Nous étions devenus plus riches que nous n'avions jamais rêvé. Et puis... j'ai... ma tête a été mise à prix. Alors j'ai décidé de repartir en Angleterre. J'étais déterminé à mener une vie tranquille et respectable. Je me suis acheté des terres ainsi que le village. Cette auberge est à moi aussi. J'ai voulu faire le bien autour de moi avec mon argent pour compenser la façon dont je l'avais gagné. Je me suis marié. Hélas, ma tendre épouse est morte très jeune. Elle m'a laissé ma douce Alice. J'étais un homme heureux, peut-on dire, jusqu'à ce que McCarthy se décide à me mettre le grappin dessus. Il avait suivi ma trace. Quand il est arrivé, il avait à peine de quoi se vêtir et une seule paire de bottes qui était trouée. « Comment se retrouve, Jack ?» a-t-il dit. « Tu vas t'occuper de notre avenir, pour moi et mon garçon. Et si tu refuses, l'Angleterre est un pays respectueux des lois et j'ai des amis dans la police. » L'enfer a commencé à ce moment-là. J'étais coincé, je n'y pouvais rien. Je n'ai plus ni repos, ni la moindre seconde de paix. Où que j'aille, où que je me tourne, il était omniprésent. Tout ce qu'il voulait, je devais le lui donner. Quoi que ce soit, je le lui donnais sans poser de questions. Des terres, une maison, de l'argent. Jusqu'à ce qu'il veuille une chose que je ne pouvais lui donner. Il voulait Alice. Pour son fils, lui et ma fille ont grandi ensemble. Il savait que j'étais en mauvaise santé. Il a pensé que ce serait une bonne aubaine que son fils fasse main basse sur nos biens. Mais là, je suis resté ferme. J'ai refusé que sa maudite race se mélange à la mienne. Je n'avais rien contre son fils en soi. Mais le sang de son père coulait dans ses veines. C'était suffisant. Je suis resté ferme. McCarthy a menacé. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Nous avons décidé de nous rencontrer au bord de l'étang, à mi-chemin entre nos deux maisons. Ça ne te regarde pas. Pour en discuter. Qu'est-ce que je te dis ? James. Alors que je l'écoutais parler à son fils, je ne voyais pas le bout de cet enfer. Il poussait son fils à épouser ma fille, sans se soucier de ce que lui disait le jeune homme, et sans penser à ma pauvre Alice. Mais père, nous avons déjà discuté à Fraser. Je te dis, je n'aime pas qu'on discute mes ordres. Ça me rendait fou de songer que ce que j'avais de plus cher au monde risquait de subir la tyrannie d'un tel homme. C'est ma vie et j'entends la mener comme bon me semble. Je n'avais plus rien à espérer de la vie. Si je pouvais réduire au silence cette langue de vipère, je pouvais encore sauver la réputation de ma famille. Va-t'en, tu n'as plus rien à faire ici. Holmes, je serai prêt à recommencer. J'ai péché sans doute, mais j'ai vécu une vie de martyr pour l'expier. Et que ma fille, qui n'y était pour rien, se retrouve dans la même situation, c'était plus que je ne pouvais en supporter. Je l'ai abattue sans plus de compassion que si j'avais eu affaire à un de ces prédateurs dangereux. Et voilà toute l'histoire, messieurs. Oui, c'est la vérité. Oui.
Nous ne sommes pas là pour vous juger, et je prie pour que nous n'ayons jamais une telle obligation. Et moi aussi. Je n'en ai plus pour longtemps. Je suis atteint de diabète depuis des années. Mon docteur dit que c'est une question de mois, voire de semaines. Je préférerais mourir dans mon lit qu'entre les murs d'une prison. James ne peut pas y rester, lui non plus. Je sais, Dieu m'est témoin que je ne lui veux absolument aucun mal. Je vous donne ma parole de tout avouer si ce garçon est inculpé aux assises. Je suis fort aise de vous l'entendre dire. J'aurais déjà tout avoué si ça n'avait été pour ma fille. Ça lui aurait brisé le cœur. D'apprendre que j'ai été arrêté lui aurait brisé le cœur. Nous n'en arriverons peut-être pas à cela. Nous ne sommes pas la police. Je ne suis pas un agent officiel. Je suis là à la demande de votre fille. Alice ? Alice. Et que comptez-vous faire ? Au vu de votre état de santé, rien du tout. Bientôt, vous allez devoir répondre de vos actes devant une cour bien plus haute que les assises, et vous le savez. Si James est condamné, je serai forcé d'utiliser votre confession. Dans le cas contraire, jamais aucun mortel n'en saura rien, et votre secret, que vous soyez mort ou vivant, ne sera jamais divulgué. Le jour où vous passerez de l'autre côté, vous aurez la conscience tranquille, grâce à tout le bien que vous faites en ce bas monde. Espérons-le. Turner John Stewart, le 16 août. À Boscombe Hall, Cheshire. Décédé des suites d'une longue et pénible maladie, père bien-aimé de sa fille Alice. Bon. Libre à nous d'utiliser cette confession. Au procès du jeune McCarthy. Oui, il n'en est pas question. Ma promesse était de ne pas m'en servir si McCarthy n'était pas condamné. Je crois avoir donné matière à la défense pour assurer son acquittement. Oui, espérons-le. C'est bien qui finit bien. Bravo. Mes félicitations, Holmes.
Merci, Watson. Je dois admettre qu'il y a certains aspects de ce dossier que j'étais à 100 lieues d'imaginer.